Bonjour, et bien bienvenue dans ces tutos sur le premier nocturne de Frédéric Chopin. C'est donc l'opus 9 numéro 1. Chopin a composé cette pièce dans les années 1830-1831. Il est né en 1810, donc il avait une vingtaine d'années quand il a commencé à composer son premier nocturne. Et celui-ci est dédié à Madame Camille Pleyel. Donc mon édition, c'est une édition Henley Verlag, voilà, qui a vécu un petit peu, mais c'est une édition hors texte qui est donc fidèle au manuscrit de Frédéric Chopin. Donc dans ces premiers tutos, je vais détailler tout particulièrement ce que j'appelle la version courte de ce nocturne, c'est-à-dire que je vais vous jouer la première page et qu'au lieu d'enchaîner sur la seconde page, donc à la mesure 15, je vais enchaîner directement sur le passage équivalent dans la dernière page, donc sur la mesure 77. Voilà, donc les mesures 77, 78, 79 sont en fait les mêmes que les mesures 15, 16, 17. Mais au lieu d'amener à la partie centrale de la seconde page, nous allons directement avoir la fin de ce nocturne. Et peut-être que dans d'autres vidéos, j'essaierai de vous faire la partie centrale. Voilà, donc dans cette première vidéo, donc c'est pas un tuto, je vais tout simplement vous jouer cette version courte du nocturne, du premier nocturne de Frédéric Chopin. Et dans les vidéos suivantes, nous détaillerons un petit peu les tutos de la main droite et de la main gauche. Voilà, à bientôt pour le tuto numéro 2 pour le main séparé de ce passage.